Salut les copains, je tourne cette vidéo très rapidement. C'est une vidéo de base que je devais sortir le 1er janvier. Elle sort vraiment 20 ans plus tard. De base en fait je voulais faire une vidéo de remerciement. Enfin, la vidéo un peu merci pour cette année 2019. Enfin, j'avais demandé à plusieurs de mes amis de faire cette vidéo parce que je trouvais ça sympa qu'on remercie tous un petit peu ce qui s'était passé en 2019, qu'on remercie quelqu'un ou qu'on remercie quelque chose et ce qui nous avait marqué en 2019. Sauf que très peu de mes amis ont participé, donc je ne savais pas trop quoi faire, je savais pas si je devais la sortir quand même, je savais pas si je devais aller voir des gens dans la rue et tout. Et finalement, vu que j'avais la flemme d'aller voir des gens dans la rue, je me suis dit bah je vais parler toute seule. Puis je remercie les deux seules personnes qui ont voulu participer, donc Léa et Stéren, mais ce serait trop gênant pour vous si je mets vos vidéos, donc je vais pas les mettre. Le but de cette vidéo c'est vraiment de remercier, de finir l'année 2019 sur du positif et de commencer l'année 2020 sans regret, sans rancune, mais seulement avec de nouveaux objectifs à réaliser. Yes. Oui, donc là je suis posée genre vraiment comme si j'étais à la plage. Donc moi tout simplement ce que je veux remercier en 2019 c'est déjà le fait d'avoir ouvert ma chaîne YouTube. Ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, depuis que je suis en 4e à peu près. Et enfin en 2019 j'ai pu ouvrir ma chaîne YouTube. Du coup là je veux remercier ma mère parce que c'est grâce à elle que j'ai pu ouvrir ma chaîne. En fait c'est elle qui m'a acheté ma caméra de vlog. Donc c'est avec cette caméra que je tourne. Sans elle bah ça aurait pas été possible. J'avais vraiment une qualité de portable de merde. Donc voilà, merci maman, c'est grâce à toi si j'ai pu créer ça en fait, enfin cette petite chaîne qui compte aujourd'hui 82 abonnés. Attention, on commence pour l'année hein. C'est comme pour tout en fait, maman t'as toujours été là pour moi, je sais que tu seras toujours là pour moi, t'es la seule personne à qui je peux tout donner sans avoir peur, t'es la seule personne qui m'abandonnera jamais en fait, et merci en fait d'être là, merci de toujours croire en moi, que même quand je suis au plus bas, même quand je ne crois pas en moi, t'es vraiment la mère parfaite. C'est un peu gênant pour les autres personnes peut-être qui sont sur cette vidéo. Merci maman parce que bah, c'est grâce à toi que si j'en suis là aujourd'hui, c'est toi qui m'as tout donné, et merci bah, de t'impliquer autant dans ce que je fais, dans tout en fait. Enfin, sans toi, je serais pas la petite Sarah que je suis aujourd'hui. Après, il y a une autre personne que je veux remercier aussi, c'est ma sœur, Stéren, parce que bah, c'est pareil, sans toi non plus, j'aurais jamais pu ouvrir ma chaîne si tôt, parce que c'est toi qui m'as aidé première à m'avoir prêté ton ordinateur pour que je fasse mes montages vidéo, même si à la fin ça s'est mal fini parce que j'ai dû acheter moi-même mon ordinateur, et merci maman encore, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu faire un prêt, et c'est toi qui m'as aidé financièrement pour acheter mon ordinateur, mais finalement j'ai pu te rembourser. Merci à moi-même d'avoir trouvé un travail cet été. Merci Stéren parce que c'est pareil, tu t'impliques quand même beaucoup dans ma chaîne. Pour Noël tu m'as acheté genre un stabilisateur de portable, chose que même moi j'avais même pas pensé. Et merci à mes amis qui sont aussi très impliqués. Vous m'avez acheté pour mon anniversaire cet été un trépied de caméra. Merci à vous d'être là, de me supporter parce que je suis chiante quoi au bout d'un moment. Merci d'être là quand je vais mal et quand je vais bien aussi. Puis merci pour cette année parce que je l'ai partagé avec vous quoi. Sinon je voudrais remercier Dame Nature de m'avoir permis de rencontrer des amis comme j'ai tout simplement. Franchement j'ai un bon petit groupe d'amis que je vous adore. Pour rien au monde j'ai envie de vous perdre en fait. Merci pour cette année qui a été un petit peu aussi basée sur le voyage. Je suis partie au Vietnam, c'était super bien. Un voyage que je voulais trop faire depuis longtemps et ça c'est grâce à mon père. J'ai pu aller au Garo Rock avec des amis à moi, donc ça c'est merci maman de m'avoir acheté ça comme cadeau d'anniversaire. C'était tout premier festival et merci, c'était vraiment incroyable. Merci à tous mes professeurs qui m'ont permis d'avoir mon bac et merci à moi-même qui me suis permise d'avoir mon bac avec une mention bien en plus. Et deuxième diplôme que j'ai obtenu, j'ai eu mon permis de conduire, donc celui-là je ne l'attendais pas, je ne savais pas si j'allais l'avoir vraiment et finalement bah je l'ai eu. Merci Dame Nature pour cette année 2019 qui était compliquée mais qui était bien à la fois, et puis j'espère que 2020 sera basé sur plus de rire, plus de joie, plus de positivité, plus d'humour et juste bah, des voyages à gogo et puis de l'amitié et de la folie et de la créativité un petit peu. J'aimerais bien aussi mieux organiser ma vie et mon temps. Bisous les copains, bisous les copines, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Et puis vous, à qui ou à quoi est-ce que vous voudriez dire merci pour cette année 2019? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bisous, à la prochaine.